OK. Bon, alors, ce matin, rapidement, je vais vous expliquer mes 10 critères. Quand vient le moment de choisir un terrain, pourquoi on choisit un terrain plutôt qu'un autre, sur quelle base on regarde, dans le fond, pour justifier notre choix. Mais peut-être juste avant de commencer, deux éléments rapidement. Première des choses, les gens en immobilier, peu importe le créneau, parce que l'immobilier, c'est très large. Dans ma vie antérieure, j'ai déjà eu des immeubles. J'ai monté jusqu'à 300 unités de logement. Fait que des locataires, j'en ai eu beaucoup. Et c'est pour ça que maintenant, j'en ai plus. Je fais que du terrain depuis plusieurs années. Mais la question, même une fois, j'étais au Canal Argent, puis même Georges Poitier me demande... Mais tu sais, vous avez combien de portes? Parce qu'habituellement, quand on dit qu'on est en immobilier, les gens veulent savoir, tu as combien de portes? Puis moi, à la blague, tu sais, j'avais dit, à part la porte chez moi, sur mon Jeep, non, je n'ai pas d'autres portes que ça. Alors, Georges Poitier me disait, tu ne peux pas être un spécialiste de l'immobilier au Québec si tu n'as pas de portes. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas de portes, mais j'ai des millions de pieds carrés dans 4 régions du Québec. Ça, on peut en parler longtemps aussi. D'accord? Donc, moi, depuis 2007, j'ai plus d'immeubles et le premier du mois est devenu une journée comme toutes les autres. Bon. L'autre question qu'on me pose souvent, c'est, dans le fond, d'où ça part, là, l'immobilier, les terrains, pourquoi les livres? Je vous résume ça en 5 minutes, d'accord? Là, vous allez peut-être comprendre un peu le parcours. Donc, souvent en immobilier, l'important, c'est l'information. Oui, si vous avez beaucoup d'argent, ça va simplifier les choses, mais le plus important, c'est l'information. Donc, moi, à 16 ans, je travaillais dans un centre jardin. Oui, Martin? J'avance? OK. Ah, il y a d'autres choses? Ah, OK. L'immobilier, ouais, je vais vous parler de ça après. OK. Donc, à 16 ans, je travaillais dans un centre jardin. Donc, tout le long de la journée, je rencontrais un paquet de gens. Donc, j'étais à même d'avoir beaucoup d'informations. À 16 ans, je n'avais pas vraiment d'argent. Alors, à un moment donné, il y a un couple de personnes d'un certain âge qui m'ont dit, « Nous, on a décidé de prendre notre retraite, on garde notre maison, puis on vend notre terre aux cultivateurs auto. » Parce que vous savez qu'en agriculture, puis là, je vous parle d'immobilier horizontal, l'air de rien, là, mais en agriculture, au Québec, si vous voulez produire des œufs ou du lait, ça vous prend un quota. Et le quota est en proportion de la superficie de terre que vous avez. Fait que si un agriculteur veut produire davantage, il faut qu'il achète davantage de quota. Mais pour acheter davantage de quota, il faut qu'il ait davantage de terre. Puis c'est pour ça que le prix des terres augmente et le prix des terrains augmente, parce que les terrains, ça ne s'exporte pas et on ne peut pas en importer non plus. D'accord? Alors, ce couple-là, dans le fond, ils me disent, là, il nous reste un lopin de terrain sur le bord du lac Joseph. Tu sais, là, en 2013, dire sur le bord d'un lac, ça, c'est génial. Mais dans les années 80, un lac, c'était une belle place pour mettre tous les instruments oratoires que les gens n'avaient plus de besoin. C'est vrai. Hein? On partait ça d'en haut de la côte, une bonne poussée, puis on espérait que ça aille le plus loin possible. Ce qu'on ne voit pas disparaît. Fait qu'on on en retire maintenant beaucoup, là. Le ministère de l'Environnement n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, finalement, moi, j'ai mis mes économies sur ce bout de terrain-là. Ça m'avait coûté 5 000 $ à l'époque, pour dire comment que le terrain a pris de la valeur, parce qu'aujourd'hui, ces terrains-là, sur le bord du lac, sont à 100 000 $ chacun. Des fois, les gens me disent, « Mon Dieu, t'es bien chanceux. » Mais non, je ne suis pas chanceux. N'importe qui aurait pu les acheter puis attendre tout ce temps-là. Tu sais, c'est juste ça le truc, mais on est d'une société d'hyperactifs excités. Tu sais, l'autre fois, oui, parce que là, on a déménagé ici à Sainte-Béatrix, on est en train de se construire en haut de la côte. Mais jusqu'à la semaine dernière, on vivait dans un presbytère, donc c'était quand même assez grand. Puis des fois, le téléphone s'enfile, on ne sait pas où est-ce qu'il est. J'étais dans le garage, ça sonne, je réponds. 4 sonneries, c'était pas exagéré, il me semble. Mon frère, il me dit, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que je faisais? J'étais dans le garage, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? C'était bien long. OK, 4 sonneries, là, tu sais. Un, si tu réponds tout de suite, t'es stressé. Deux, c'est correct. Trois, ça devient normal. Quatre, t'as un vrai problème, là. Parce qu'entre 3 et 4, ta vie peut changer, là. 2 sonneries. Tu sais, le micro-ondes, c'est la même chose. On met notre assiette, 2 minutes après, il faut que ça soit prêt. On télécharge quelque chose sur Internet, bien là, cet ordinateur-là, qu'est-ce qui se passe avec ta transmission? On est un peu fou, là.
Puis là, moi, je vous parle de l'immobilier. J'ai acheté le premier terrain à 16 ans. Ce qui est marrant, c'est que là, j'en ai 42, puis il m'en reste encore un. Ben, c'est les voisins qui me les achètent. T'sais. Moi, je ne mets même pas de pancarte à vendre. Ils vont à la municipalité, ils s'informent si c'est acquis. Il n'y a pas de secret à part de laisser le temps au temps. Okay? Donc, c'est à peu près ça le parcours. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en immobilier, il faut vraiment réaliser, là, une bonne fois pour toutes, que vous soyez investisseur, travailleur ou spéculateur. Parce qu'en immobilier, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a des gens qui peuvent investir, il y a des gens qui travaillent, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui vont acheter un terrain, ils vont l'aménager, ils vont faire l'entrée, ils vont le mettre prêt à bâtir. Ça, pour moi, ça, c'est des travailleurs. Parce que dans la première catégorie, les investisseurs prennent de l'argent, achètent des terrains. Le truc, c'est d'oublier qu'on les a. Puis au bout de 20-25 ans, on se réveille. Et dit, ah oui, c'est vrai, j'avais des terrains là-bas. Puis là, vous les vendez 3, 4, 5 fois plus cher que ce que vous aviez payé. Ça, c'est investisseur. Okay? Puis il y a aussi une catégorie là, spéculateur. Là, les gens là, qui veulent acheter, revendre, qui veulent s'amuser là-dedans, ça aussi, c'est un travail. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est peu importe le créneau, ce qu'on dit ici, peu importe le créneau ou si vous préférez le type de propriété que vous évoluez, vous achetez d'abord et avant tout du terrain. Et d'ailleurs, quand vous, mettons vous achetez un bungalow, quand vous allez passer chez le notaire, il va vous dire, vous avez acquis le lot numéro X, Y, Z, borné nord-nord-est, patati patata, prenez du café en masse, parce que si vous lisez tout ça, ça peut être long, mais dans le fond, il vous décrit le terrain. Là. Puis à la fin, il dit, ah oui, c'est vrai, avant que je l'oublie, avec ci-dessus érigé un bâtiment qui portait l'adresse civique. Ça, c'était le bungalow. On a parlé pendant une demi-heure du terrain, puis ah oui, il y a un bungalow dessus. Vous me suivez? Fait qu'on achète d'abord et avant tout du terrain. Bon. Où est-ce que je pointe pour que ça change? Ah, voilà. OK. Alors, dans le passé, on se demandait combien de portes. Demain, la bonne question, ce sera combien de terrain? La bonne question maintenant, c'est tu as combien de terrain? Tu as combien de pieds carrés? Tu as combien d'arcs? Tu as combien d'arpents? Tu as combien d'hectares? C'est ça la bonne question, pas combien de portes. OK, le futur en immobilier, c'est l'espace, le pied carré, l'arc, l'hectare, l'arpent, la nouvelle unité de mesure, ce qui compte parce que la Terre est vraiment toute petite. Oh, je suis allé trop vite, moi, là. J'ai sauté. OK, ah bon, voilà. Alors, là, on en arrive à mes 10 critères. Maintenant qu'on a compris l'importance du terrain, d'où ça part, et maintenant qu'on sait que peu importe ce qu'on achète, on achète d'abord et avant tout du terrain. Le premier critère. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour m'offrir du terrain, première question, est-ce qu'il y a de l'eau? Puis, est-ce qu'il y a de l'eau, c'est en deux volets. Un, est-ce qu'il y a un cours d'eau? Est-ce qu'il y a un attrait? Parce qu'on est fait à 85 % d'eau, fait qu'on tripe tout sur l'eau. On aime l'eau, ça prend de l'eau. Et l'autre sous-question, c'est la disponibilité, la qualité puis la quantité. Donc, ça veut dire débit, galonnage. Là, on parle de l'eau potable. Parce que même si vous avez un super beau lac, si la nappe phréatique est polluée, vous ne pouvez pas vous bâtir là, vous me suivez? Donc, l'eau, premier critère en deux volets. Ça va? OK. Deuxième critère, vérification de la réglementation. Il y a beaucoup, beaucoup de réglementation actuellement, puis ça s'en va toujours en augmentant, en se multipliant. Donc, au niveau de la municipalité, au niveau de la MRC, comme ici, la MRC de la Matéwini, gère les 15 municipalités environnantes. Donc, même dans les projets, quand la municipalité de Sainte-Béatrix dit oui, ça prend aussi l'autorisation de la MRC parce qu'ils veulent avoir un développement harmonieux pour que l'ensemble des municipalités puissent suivre le même développement. Il y a des règles au niveau provincial. Je fais juste attirer votre attention, juste un exemple. Souvent, ce qu'on entend parler, zonage vert, zonage blanc, tatatata, qu'est-ce que c'est ça? En gros, le zonage vert, c'est agricole forestier. Habituellement, c'est non construisible. Puis quand on parle de zonage blanc, ce qu'il faut savoir, c'est construisible, mais pas nécessairement automatiquement, parce qu'il y a des sous-catégories, juste pour vous dire que c'est plus complexe que ce que ça peut en avoir l'air. Donc, avant d'acheter un terrain, il faut vérifier ces différents aspects légaux-là. Numéro 3, la qualité du chemin. Il y a beaucoup de normes dans la construction d'une habitation, mais il y a beaucoup de normes dans la construction d'un chemin aussi. Donc, le degré d'inclinaison, la largeur, la grosseur des ponceaux, la profondeur des fossés, le type d'enrochement, qu'est-ce qu'il y a en dessous, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est très important parce que si pour aller
à votre terrain, vous avez besoin de 4 pick-up, 2 4 roues, un hydravion, ça se peut qu'ils valent moins cher, tu sais. Donc, la qualité des chemins, c'est très important. Ensuite, l'électrification, c'est-à-dire que le réseau électrique, ça coûte cher, puis il y a beaucoup de délais dans les réalisations des travaux. Au Québec, on a un fournisseur de services qui s'appelle Hydro. Et Hydro, comme ils sont dans un monopole, ben, quand vous voulez faire un projet, il faut les payer d'avance. C'est vraiment comme ça que ça marche. Vous les payez d'avance, puis ils viennent quand ça leur tente. Parce que, en général, dans le système capitaliste, c'est plutôt l'inverse. T'sais. On rend le service, puis après ça, le client nous paye. T'sais. Mais avec Hydro, c'est le contraire. On paye, puis après ça, ils rendent le service si ça leur tente. Mais si votre terrain n'est pas électrifié, sachez que ça peut être difficile avant qu'il le soit, parce que ça prend des servitudes, ça prend des plans d'ingénieurs, ça prend des plans d'arpentage, ça prend un paquet de choses sur papier avant même que les planteurs de poteaux arrivent. Puis les planteurs de poteaux, parce qu'Hydro, c'est tellement gros que c'est comme toutes des petites PME. Donc, les planteurs de poteaux, c'est une gang. La gang qui met la quincaillerie dedans, c'est autre chose. Et ensuite, il y a Dieu le Père, les monteurs. Voilà. Alors, ça peut être long. Donc, ça, c'est préférable que ça soit fait avant de commencer. Ensuite, l'autre chose, les services à proximité. Moi, mon rayon d'action, c'est 10 km. Pourquoi? Parce que si vous manquez une pinte de lait le dimanche matin, vous avez 10 km pour aller la chercher, vous avez 10 km à faire pour revenir. Ça fait 20 km. Ça se peut que ça vous tente de prendre votre café noir si c'est plus que ça. OK? Donc, ça, c'est important. Ensuite, distance d'un centre urbain. À un moment donné, il y a un monsieur qui m'a offert là, une quantité phénoménale de terre. Puis ça, là, j'étais tout excité. Puis tout ça, puis où c'est que c'est? Ma carte, elle ne se dépliait pas assez grand vers le nord pour savoir où est-ce que c'était. Là, donc, ça prend un centre urbain parce que si vous avez des services à proximité, c'est le fun, mais les centres urbains, ça permet d'avoir des hôpitaux, des écoles, ça permet d'avoir Costco, Club Price, toutes ces affaires-là, puis peut-être plus de restos ou si vous voulez sortir puis avoir une vie culturelle élaborée ou aller au Grand Prix, par exemple. Là. Mais ça prend un centre urbain. Oui. Ah, bien ça, c'est une bonne question. La distance acceptable, ça dépend. Comme par exemple, à Trois-Rivières, il y a la rivière Saint-Maurice qui passe dans le milieu. Trois-Rivières, maintenant, c'est fusionné. Il y a Cap-de-la-Madeleine d'un bord, puis il y a Trois-Rivières de l'autre. Moi, j'ai passé mes années universitaires à Trois-Rivières, puis j'étais tout le temps surpris de constater qu'il y avait du monde du Cap-de-la-Madeleine qui n'avait jamais été à Trois-Rivières, bien trop loin, pourquoi aller là? Puis à Trois-Rivières, traverser le pont pour aller sur la rive sud, nous autres, notre presbytère était à Bécancourt. Et ma conjointe, Manon, travaillait à Trois-Rivières. Puis à un moment donné, c'était l'associé de mon frère. Là, c'est un gars qui brassait de la business, tout ça, qui est supposé être capable de prendre des risques et pas s'énerver avec des petits détails. Puis là, ben, quand Manon il a dit, ben moi, je travaille à Trois-Rivières, il a dit, hein, tu voyages ça? T'sais, c'est 20 minutes. Il y a un pont à traverser, puis c'est quatre voies, il y a un terre-plein dans le milieu, c'est très sécuritaire, pas de problème. T'sais. Donc, c'est très, très relatif. T'sais, autre exemple, moi, j'ai un de mes frères qui est dans l'armée. En ce moment, il est en Afghanistan, puis avant ça, il a vécu en Allemagne. Quand il est revenu de l'Allemagne, il était posté à London, en Ontario. Là, tout le monde dit, hey, c'est loin, London? Ben moi, London, je trouve ça proche, parce que si je veux, je peux y aller en moto, en auto, en autobus. Je n'ai pas besoin de prendre l'avion, c'est à côté. C'est relatif. Puis, dans la perception des gens, est-ce que c'est loin ou c'est proche, c'est eux qui décident. Mais les gens de Montréal et de la banlieue auto, hein, quand ça prend une heure et demie à aller au travail, puis la même chose en revenant, puis c'est le stationnement communautaire, deux stations de métro, il y a tout un parcours du guerrier avant d'arriver au bureau. Bien, on leur dit Sainte-Béatrix, c'est 1h10 avec le pont de la 25. C'est proche. Mais les gens de Trois-Rivières, eux autres, trouveraient peut-être ça loin. C'est une question de perception. Il n'y a pas vraiment de chiffres là-dessus. Disponibilité des réseaux par micro-ondes. Internet, télévision, cellulaire, de plus en plus, ces trois services-là, bien, évidemment, sont indispensables, mais ils sont interreliés. T'sais, là, on est rendu avec Internet sur nos téléphones sans fil. On peut avoir la télé sur Internet, on peut avoir le téléphone sur Internet, mais peu importe la façon que vous organisez votre affaire, ça prend des ondes.
Parce qu'il y a des multiplicateurs d'ondes, on peut amplifier le signal, mais en mathématiques, on dit que multiplier à partir de zéro, ça donne toujours zéro. Fait qu'il faut qu'il y ait un minimum d'ondes dans le secteur, puis à partir de là, vous pouvez vous brancher. Autre chose, critère numéro 8, la qualité du sol. Bon, un test de percolation, c'est que quand on parle de qualité du sol, c'est le 30 cm sur la surface de la Terre. OK? Ce 30 cm-là, il y a une qualité qui est classée de 1 à 7, 7 étant un sol quasi lunaire, et 1, c'est pas mal dans votre bac de compost. OK? Fait qu'entre les deux, là, vous avez différentes échelles. Bon, si je vous parle de ça, c'est parce que, comme ici à Sainte-Béatrix, là, le sol, là, ça tourne autour de 5-6. Tu sais, il y a une madame, l'autre fois, elle me disait, « Je peux-tu me faire un jardin? » Oui, mais peut-être que vous allez devoir vous faire livrer un 10 roues de terre noire. Ça va aider vos carottes. Mais pour construire, c'est parfait, parce que c'est un sol qui percole beaucoup, parce que c'est sablonneux, granuleux, vous voyez? Versus, par exemple, à Saint-Pierre-Baptiste ou Inverness, quand j'ai acheté mes premiers terrains, là-bas, c'est du sol argileux. Un sol argileux, c'est un sol lourd qui absorbe l'eau puis qui reste pesant, puis c'est souvent ça qui cause des glissements de terrain. Puis quand on arrive pour construire là-dedans, il faut l'enlever avant de mettre du gravier et du sable, ce qu'on a de façon naturelle ici à Sainte-Béatrix. C'est pour ça que la qualité du sol est importante, parce que ça détermine la complexité et les coûts supplémentaires pour la construction que vous allez mettre éventuellement sur le terrain. Okay? Puis même si vous êtes investisseur, ben un jour, quand vous allez le revendre, ça va être tôt ou tard à quelqu'un qui va vouloir se construire, puis lui, il va devoir se poser ces questions-là. Donc, moi, je me les pose dès le départ. Puis le test de percolation, ça, dans le fond, dans toute la grande catégorie de tests de sol, il y en a un qui s'appelle le test de percolation, qui, lui, dans le fond, c'est simplement un trou qu'on creuse là où sera éventuellement le champ d'épuration, puis on prend des relevés à tous les deux pieds, puis on fait analyser ça en laboratoire pour voir si ça percole. C'est comme une cafetière, là. Ça percole, ça laisse passer le liquide, ça va bien. Okay? Donc ça, c'est le test de percolation. Bien, c'est que non, normalement, il faut le faire parce que le test de percolation, il faut qu'il soit fait à un endroit précis où il y aura éventuellement le champ d'épuration. Et critère 9, vérification de zones non construisibles. Bon, là, je parlais de glissement de terrain. Quand c'est de la terre argileuse, très escarpée, en bordure de cours d'eau, habituellement, les municipalités ont des cartes qui ont comme des petites bananes noires ou brunes. Ça, c'est des risques de glissement de terrain. Donc, ça se peut que ça ne soit pas construisible. Rapport environnementaux phase 1. Moi, avant d'acheter un projet ou d'aller à quelque part, je fais faire un rapport environnemental phase 1. Ça veut dire que les biologistes, avec les avocats spécialisés en environnement, retracent l'historique de ce qui s'est passé dans ce secteur-là. Donc, si c'est rien passé de particulier, ben ça règle déjà le problème là, qu'il y ait un ancien site d'enfouissement ou un garage dont les réservoirs sont encore en dessous et qu'on ne le sait pas. Zone inondable, ben tu sais, premier critère, ça prend un cours d'eau, mais tous les cours d'eau ont une zone inondable. Bon, ben c'est pas une catastrophe, il faut juste éviter de se construire dans cette première zone-là. Puis de toute façon, maintenant, il faut respecter la bande de protection riveraine, qui est une très bonne chose, donc on se construit un petit peu plus loin. Il faut juste vérifier la zone inondable si le terrain permet de se construire un peu plus loin. Parce que jadis, il fut un temps où les terrains étaient vraiment petits. Je pense par exemple ici au lac Cloutier, il y a des terrains vraiment entre le lac et la 337. Il n'y a pas de place là. T'sais, ça, c'est des droits acquis là. Mais si vous achèteriez demain matin un terrain de 12 000 pieds carrés, bien, il ne serait pas construisible à cause de ça. Puis la bande de protection riveraine, ben c'est le 10 mètres là, qui est en bordure du cours d'eau qu'il faut protéger. Bon. Et dernier critère, c'est important qu'il y ait la présence d'arbres, parce qu'un arbre, tu sais, comme par exemple, on m'avait offert un site qui est un ancien, comment on appelait ça à l'époque, là, on allait se stationner là en auto pour écouter des films, cinépark. Bon.
Un snapper, qu'on s'entend, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Là, fait que moi, on dit, OK, le concept, c'est un ancien snapper, tu vois, c'est super, ça. Ouais, mais là, en partant, moi, je sais qu'il n'y a pas d'arbres. Puis les arbres, quand même, que je voudrais en planter, ce n'est pas demain matin qu'ils vont être beaux. Là. Donc, première chose, il y a des essences. Il y a une gradation dans les arbres. Il y a les feuillus d'abord, les conifères ensuite. Puis, il y a des arbres qui ont plus de valeur que d'autres, comme les chênes ou les érables ou les hêtres. C'est des arbres qui prennent beaucoup de temps à croître et qui sont très beaux. Puis, ensuite, je regarde la maturité, c'est-à-dire la grosseur des arbres, puis la qualité des tiges d'avenir. Les tiges d'avenir, ça, c'est ce que les ingénieurs forestiers, c'est les arbres qu'on veut privilégier parce qu'une forêt, c'est un peu comme un jardin. Il faut intervenir, il faut enlever les arbres morts, il faut enlever les arbres qui ont joué leur rôle. Puis il faut éclaircir, comme ma grand-mère disait, il faut éclaircir les carottes. Mais dans la forêt, c'est la même chose aussi. Donc, les tiges d'avenir, est-ce qu'ils ont beaucoup de potentiel pour que le terrain soit vraiment resplendissant? Donc, ça, c'était mes 10 critères. Puis en terminant, je dis qu'il faut toujours garder à l'esprit que c'est l'environnement, le secteur, la qualité du projet, c'est tout l'ensemble qui donne de la valeur à votre terrain et éventuellement à votre construction. Parce que des fois, les gens disent « Hey, ma maison a pris de la valeur ». C'est pas vrai de dire ça. C'est que le secteur où est-ce qu'elle est située, le projet dans lequel est inséré, ça a pris de la valeur. C'est toujours l'environnement puis le secteur qui prend de la valeur. Puis parce qu'elle était située à bonne place, elle a, par le fait même, pris de la valeur. Il y a une nuance importante. D'accord? Ça marche? Vous avez été d'une réceptivité extraordinaire, alors je vous dis merci. Alors, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous résumer un petit peu le programme. Bon, première des choses, là, nous, on est à Seigneurie-du-Moulin, on est très proactif, des fois quasiment trop, parce que là, on a fait tellement de promotions, puis on est tellement excités, que ce matin, des fois, les gens me disaient, là, c'est ça, c'est comment, il y a un tirage, mais là, il y a une promotion, puis là, si on se construit, on a 10 000 piastres, comment ça marche? Bon, je vous explique. Alors, à partir d'aujourd'hui jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, qui est le 24 juin, OK? Toute personne qui achète un terrain à Seigneurie-du-Moulin aura le choix, soit on vous fait votre entrée, donc ponceau ou empierrement, une entrée, vous avez de la place pour stationner une voiture, OK? Donc, ça, c'est un coût autour de 2 à 3 000 $. Ça ne peut pas être précis parce qu'on travaille avec la nature. Ou l'autre option, avec notre ingénieur forestier, vous pouvez aller marcher votre terrain, puis on va faire un plan d'aménagement, puis on va intervenir avec votre accord pour que les tiges d'avenir dont on parlait tantôt soient les plus belles possibles, le plus rapidement possible. Même si vous voulez vous construire dans 5 ans, ce n'est pas grave, les arbres vont juste être plus beaux quand vous allez être prêts. OK? Donc, la promotion, les gens qui achètent un terrain d'ici le 24 juin, soit on fait votre entrée, soit on fait le ménage du terrain. OK? Après ça, s'il y a des gens qui sont excités, là, puis que ça fait des années qu'ils cherchent leur terrain, puis qu'enfin ils se disent « bon, ça y est, je l'ai trouvé, puis c'est cette année que je réalise mon rêve d'avoir une résidence secondaire ou une résidence permanente, puis je me construis », nous, parce qu'on aime les projets, puis la construction, c'en est un beau, donc tous les gens qui ont acheté leur terrain, puis qui coulent les fondations d'ici le 5 octobre, parce que le 5 octobre, on va refaire une autre réception comme aujourd'hui pour faire un tirage d'un terrain. Je vais vous expliquer. Donc, les gens qui coulent leur fondation d'ici le mois d'octobre, et ça inclut ceux qui veulent la construire au complet puis passer un hiver au chaud, là, on vous fait les deux. On fait l'entrée, on fait le ménage du terrain, et il y a 2 semaines, on a eu la chance d'acheter un pit de sable juste ici à côté, fait qu'on va pouvoir vous faire aussi le chemin d'accès puis vous fournir le sable pour vous construire. C'est ça qui, mis ensemble, revient à 10 000 $ peu importe le terrain que vous prenez. Si vous vous construisez cette année, on vous redonne 10 000 $ en toutes sortes d'avantages, comme je viens de vous parler. OK? Ça, c'était pour ce qui est du volet promotion. Maintenant, ce qui est très excitant, on a décidé de faire tirer un terrain. Là, il y a des gens qui ont dit, « Ouais, mais là, moi, si j'achète mon terrain, puis là, je gagne un terrain, qu'est-ce que je vais faire avec le terrain que je gagne? » Ça, c'est comme si je vous disais, dans le fond, je pourrais vous faire un chèque de 40 000 $ mettre dans votre REER, puis que vous me répondiez, « Mais oui, mais j'ai déjà un REER. » Ah non, vous pouvez avoir 40 000 $ de plus dans votre REER. Donc, vous pouviez avoir dans vos actifs un paquet d'affaires, le terrain que vous venez d'acheter, et en dessous, le terrain que vous pouvez gagner le 5 octobre. La façon de faire est très simple. Là, on a une boîte de tirage en arrière. Tout de suite, maintenant, on va tirer un nom.
Et cette personne-là va se retrouver dans une deuxième boîte. Celle-là, ça va être les finalistes. Cet été, on va faire 20 finalistes. Soit dit en passant, les gens qui se construisent, en plus qu'on vous donne 10 000 $ de cadeaux, on met votre nom tout de suite dans la boîte des finalistes. Et le 5 octobre, on revient et on pige un nom dans cette boîte-là où il y aura 20 finalistes. Et une de ces 20 personnes-là va gagner un terrain d'une valeur de 40 000 $. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'on va être obligé de construire? Non. Quand on achète un terrain, on est au Québec, il y a des taxes. Dans le cas du tirage, on assume les taxes, on assume le notaire. Vous gagnez vraiment un terrain. Okay? Pas de mauvaise surprise. Et le plus beau là-dedans, d'après moi, c'est que vous pouvez choisir celui que vous voulez dans la catégorie des terrains à 40 000 sur une montagne ou sur l'eau. Okay? Fait que on n'a pas pris le petit terrain LED dans le coin, puis c'est lui qui a fait. Non, vous, c'est vous qui choisissez. De toute façon, le petit terrain, on n'en a pas, puis des LED non plus. C'est bon? OK? Fait que là, on va faire le tirage du premier finaliste. Parce que ça a l'air d'une cage hamster, ça pourrait se refermer. Hein? OK, ça, c'est le premier finaliste pour le tirage du 5 octobre du terrain. Et il s'agit de Chantal Gagnon. Chantal Gagnon. Ben bravo, Chantal. OK. Viens ici, Chantal. Non, ton nom, c'est quoi? Moi, c'est Jacques Ben. Jacques, OK. Jacques? OK, parfait. Donc là, on a des billets gold pour les finalistes. Donc, si tu veux bien, remplir ce billet-là et le mettre dans l'autre boîte. Voilà. Okay. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock.